Et vous deux, un film. Moi, le plus vieux qui doit me rester, c'est une vieille Asus AS 6200. C'est celle qui a cramé en fait. Et après, c'est une 9800 GT. J'aimais bien cette carte. T'as MD ça, non? 9800 GT, bien sûr? Non, je sais pas, je te demande. Non, c'est une GeForce. Pour C'est vous donner AMD une ça. Oui, autre. moi j'ai une AMD là, mais j'ai toujours été chez Nvidia avant. Pourquoi t'as acheté une AMD qui t'arrive? Raconte nous Bah ton parce problème. que elle était moins chère, elle était aussi plus performante qu'un truc Nvidia, et puis Ah non, surtout bah, ça allait problème avec c'est. le processeur AMD. Résultat. Le problème c'est les drivers, toujours pareil. Ah, plus Non, franchement, maintenant, j'ai plus aucun problème. maintenant, plus maintenant, c'est un peu arrivant. Driver, pas de problème. Non, le problème c'est l'optimisation des. Des jeux, Des jeux, ouais. là, bien souvent c'est Nvidia. Alors ta mère, tu peux pas mettre AMD, non? C'est ça le problème, c'est vraiment ça. Et surtout pour les jeux en développement et tout, c'est Nvidia Gogo parce que c'est facile, mais AMD. Ils ont un peu restructuré AMD, c'était Catalyst, non? Si je dis Ouais, bêtises, hein. Leur suite de. ATI Catalyst. Ouais. Ouais, bah c'est plus Catalyst. Mais alors, tu joues plus à Fallout 3, à la Fallout 4, Yulgrosh? C'est pas Un vrai, je peu, l'ai vu mais. jouer hier. Traître. Si, j'ai joué un peu hier, ouais. Ouais, Pardon, j'ai vu. je continue, mais en fait, là, je suis à un moment où je dois choisir. Si je fais un truc, faut que je choisisse entre deux factions. Ouais. Voilà, oh là, mon dieu. Entre la faction du bien et la faction du mal, c'est ça? Tout dépendant, entre les. Les synthétiques, enfin comment t'appelles le Ouais, ouais c'est ça. et Entre être un gros enculé conservateur ou un mec conciliant ou un mec conciliant qui va aider les gens. Enfin, ouais, bon, voilà, entre le bien et le mal, quoi. ah oui. Sinon ouais j'avance un peu mes fermes. Toi aussi tu t'emmerdes pendant que les gens y causent? Ouais. Je cherche des trucs sur Steam en fait, mais bon, je. Ah, il y a déjà l'histoire avec avec la liste de. J'ai rien compris. J'ai pas entendu la fin. Pour gagner les cartes, Ah ouais, pour oh bah, faire des la liste cartes, j'en de ai souhaits. tellement. Je les vends Mais quand si j'en ai c'est. beaucoup. Ah, je les vends, Ah, ça me ferait. justement, Ça me ferait 3 donc balles, 4 ici, balles. t'en as 3 par jour, mais tu dois faire 3 fois 11 jeux. Je vois, il y a Mordheim là qui me fait, regarde, tu as moins 33%, achète-moi. Le Mordheim. problème c'est que je vais encore être tout seul à y jouer quoi, hein, j'ai pas envie. Bah, si tu veux, achète un pack de 4, hein, moi je serais ravi. Ah ouais, j'ai deux Mystery Cards. Oh, un Forced 4 pack. Est-ce qu'ils l'ont fait des fois ça? Ah, Forced, je l'ai moi. Forced, je Pas l'ai. Mordheim. Il est sympa. Il est vraiment sympa, mais faut être plusieurs. Slightly better edition. Il est à 2 euros là, le Forced. Ah bah, C'est non. rien du tout. Ah bah attends, c'est faut voir la gueule du jeu. C'est lequel aussi? Slightly better edition, Ah le ouais, bah premier. je l'ai, je l'ai. Oh putain, pour 2 euros, ça vaut le coup. Je l'ai toujours voulu, si tu veux. Je l'ai, Emurgalla, on est pas mal à l'avoir parce qu'il y a, y a eu un Humble Bundle dessus. Un 4 D'accord. pack, un Humble Bundle. C'est Je cool. sais C'est qu'il est quoi en fait bien, ce jeu. c'est quoi le style de jeu? C'est C'est un twin stick aussi, hein, je crois, comme jeu. C'est genre tu, vu du dessus et en fait c'est mélange d'énigmes, de puzzle game Et puis de hack and slash. et de hack and slash en fait. Et t'as des arènes que tu dois compléter. Et c'est T'as très quatre bien, c'est persos très drôle, t'as quatre différents. persos différents et tu complètes, etc. C'est vachement bien. Ça se joue en multi? Ouais. Ouais. 4 ou 5 je crois même, hein. Il y a même un qui peut faire Game Master, un truc comme ça je crois. Ah ouais? Ouais, un genre de petite boule lumineuse qui t'accompagne. Ah oui, d'accord. Mais vous si on pour si je le prends, vous. Bon, on y Ouais. jouera, oui, ça c'est Oh bah sûr. moi je prends aussi, hein. Allez, Moi c'est ouais, parti. allez, 2 euros, c'est parti. Les porte-monnaies commencent à saigner. Ouais. Ouais, Ah, parce 2 que. euros, ça va, c'est pas. Oui. Pas 2,09€. là. On va dire que 0,9€, t'as c'est pris, ça. on va dire que t'as pris Slightly better. un tir dans la jambe. Allez. On Oh est putain, gentil. c'est violent! Je pensais qu'il allait dire, bon, on va dire à la limite que la balle t'a éraflé, quoi, mais. Oh la vache, carrément une balle dans la jambe! Mais oui, parce qu'en fait, ça va t'encourager à acheter encore plus. C'était le premier achat, Ah! t'encourage à aller vers la suite. Ouais, c'est Noël, Joseph! ouais. Moi, c'est Noël et. Je suis allé faire les courses. Déjà, le truc que je déteste le plus. Donc, faire les courses dans un supermarché qui est à côté de chez moi. Et qui est.
Et ah, c'est pas le moment de faire les courses, hein. Ouais, et en plus, à une heure où on a mis... où on était dans les bouchons pour y aller et pour revenir. T'es sûr que tu vas pas y aller samedi, histoire que... le, truc ouais. Que ouais, le truc que je déteste encore plus. Et je m'en suis trouvé que... bon, que j'ai fait des... j'ai acheté des trucs et que... j'ai pas trop regardé les prix et que... Dans ces cas-là, j'apprécie de faire mes courses en célibataire parce que tu vas à la caisse où il n'y a pas de caissier, tu prends ta carte. Au revoir. Ouais, non, mais là, j'étais, ma mère, je suis allé manger avec ma mère et ma mère devait faire des courses. J'en ai profité pour...